J'accueille Claude Angély, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné. Claude Angély, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez dans un délire de sampleur. Donc, vous êtes rédacteur en chef du Canard Enchaîné, où vous êtes entré en 1971. Exactement. Avant, vous étiez au Nouvel Observateur, à Politique Hebdo. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, en plus, avec Stéphanie Meynier, qui est charmante, et qui est votre épouse, ce qui ne gâche rien. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Non, je parle pas de vie privée, alors. Ouais, ouais. Enfin, le Canard Enchaîné, vous en balancez tellement qu'on peut vous dire ça. Pas quand de vie même. Privée. Ah oui, d'accord. Jamais. C'est vrai. Bon, d'accord. Le bouquin s'appelle En basse campagne. Vous savez comment on fait, Claude? Avec les mains? Oui. J'ai vu Julie et j'ai vu qu'il le faisait Plenel, pas. Edi Plenel, Julie, Gorbatchev, vous y allez. Hein. Ben, il le faisait pas. Si, il le faisait. Il l'a fait à la rue. Ah, si, ils l'ont tous fait. Monseigneur Di Falco, tout le monde l'a fait. Enfin, Monseigneur Di Falco, pour vous, c'est peut-être pas une référence. Non, c'est pas une référence, non. Gorbatchev, non? Non, mais comme j'ai été communiste dans ma jeunesse, on faisait...